C'est de Maxiphase, mais aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Donc c'est que mon mâle Hirudula membranacea est passé adulte. Donc voilà, la mue. Donc il est vraiment très très beau. Là les ailes sont en train de se développer. Donc voilà. Donc je pensais qu'elle avait raté ses ailes, mais non en fait. C'est comme un peu les Sipiloidea sipilus, faut le temps qu'elle se développe. Donc voilà, elle a bien réussi sa mue. Voilà, elle a les 6 pattes, elle n'en a pas perdu une seule. Donc voilà, j'espère que la femelle mûra bientôt. Donc voilà. Et donc quand j'aurai des bébés, je vendrai un otak pour 5 euros. Donc voilà, ça va quoi. Et donc voilà. Et par otak, on peut avoir quelque chose comme, je sais pas, moins 50 bébés. Enfin, j'irai revoir la fiche d'élevage en tout cas. Donc voilà. Donc les Carosus morosius, j'ai mis une annonce sur deuxième main, là j'en ai vraiment beaucoup. Et donc voilà, je les vends 2 euros les 5. Voilà. Ou sinon j'en donne 2 gratuitement. Mais je fais pas d'envoi, c'est ça le truc. Donc pour ceux qui habitent en France, bah, c'est déjà raté. Donc voilà, j'en donne 2 ou sinon j'en vends 2 euros les 5. Et ils sont de L1 à L3. Enfin j'avais déjà dit ça dans l'ancienne vidéo. Voilà. Mais sinon, mes Carosus morosius, bah, ils vont bien. Ils grandissent bien. Ouais. Je vais vous en... Et essayer d'en trouver un. Voilà, c'était une chenille qui était avec, mais je l'ai laissée parce qu'elle mange des ronces apparemment. Donc voilà. Ouais, voilà, là on a vraiment le grand. Voilà. Et les adultes, ben sur les. Donc sur les 8 bébés, j'en vendrai sûrement 2. Parce que en fait, ils pondent vraiment beaucoup. Avec un adulte, on peut avoir 500 œufs. Enfin, ça, j'avais encore dit dans la fiche d'élevage. Bon, voilà. Enfin, bref, c'est déjà cette toute petite vidéo. Si vous avez aimé, bah, aimez la vidéo et commentez-la. Allez, à plus, c'était Maxime Maxiphasme.